Bonsoir tout le monde. On va arrêter notre merveilleuse musique de Narwhal. On va aller ici. Yes, sir. On a Clever parmi nous. Allô, Clever. Bonjour. Donc, on continue le Pokémon. Donne-moi une petite seconde. Je vais Ah, ok, couper mais je ça. monte pas mes fesses cette fois-ci. Bon. Parfait, ça c'est good. Je vais aller checker quelque chose. Sound effect, background music. On va baisser un petit peu. Et en haut complètement, tu vas mettre le texte à face aussi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser pendant que je faisais save. Ben, c'est pas beautiful ça. C'est pas beautiful. Ouais, fait que ça donne ça mes Pokémon. Fait qu'on a Nightshade qui devrait éventuellement venir se joindre à nous. Fait que là on pensait attaquer les Titans. Question d'avoir toutes les boosts sur notre monture. Puis il va rester après ça le Team Star. Mon Le écran Nil. est coupé en passant. Ton écran est coupé. Ouais, il manque Moi je la vois. un. Non, non, il manque comme un cinquième du top. Ben Pas moi je grave, vois être là. écrit online mode là, mais... Pour vrai? Ouais, moi je la vois. Dans OBS, tu le vois? Ouais. Ah, Attends. ok, laisse faire. Ok, c'est bon, je laisse faire, j'avais pas voulu jusqu'en haut. Ah oh, ben tabarnak. Ouais. Ça me fait des accroires. Ouais, Bon. c'est ça le plan. Toutes les fois, je te fais douter de toi. Attends. Ouais, je suis rendu avec lui. Ah, tu l'as fait annihiler. Yes, sir. Tu sais-tu comment le faire? Ouais, faut que tu utilises point fulgurant 20 fois. Ouais, Je sais pas c'est quoi en anglais, là, mais. Rage Fist. Heracross. J'ai lu, j'étais en train de monter tranquillement. J'ai Shinx. Ben ouais, Ah, shit. Luxray. Moi aussi, j'ai un Heracross. Umbreon. Donc, qui c'est que je pourrais bien sortir de là? Là, les titans qui nous restent à faire, c'est quoi déjà les éléments? Ben, il reste juste le dragon. Dragon. Bon, je vais enlever Tyranitar. Mettre Umbreon. Donner un petit quelque chose d'XP. On va enlever Gengar. On va mettre Heracross. Puis je Ah non. pense pas qu'il soit level 60, donc je vais checker pour en mettre d'autres. Le maudit Velusa, il est fatigué. Ouais, il est chiant. Tu t'en aimes nous sauter dessus comme des malades mentales. Je vais enlever Arcanin. Puis je vais mettre. Ouais. Arrêtez de dire les noms français. Bah, je sais même pas que c'est ça son nom français, c'est juste que je l'ai dit pour Ouais. le fun de même. Arcanine. Qui c'est qu'on peut bien continuer? On va-tu avec Anilape? Vaporeon. J'ai aucun Pokémon qui fait de la glace. Vaporeon, c'est pas mauvais, quoi. Golduck avait. T'as pas besoin de 10 000 Pokémon. Si t'as ton Azumarill qui est level 57, il devrait être Ouais, suffisant. mais il fait pas de glace non plus. Il fait play rough, hein? Ah, c'est ça, toi qui fais play rough. Ouais, je le sais, c'est juste je vais mettre du monde que je peux faire évoluer un petit peu. Ah, ok. Leafeon, je devrais bien le tester éventuellement. Les Fionn, c'est un. Un attaqueur, genre de critical hit, genre là. Je sais pas. Bon, on va y aller de même. Attends, on va plus en haut. Pogné par un hostie de poisson. Ouais, je vais t'inviter. Ouais, je vais attendre. T'es en combat. Je vais essayer de trouver le Gimmigool. Check bien s'il est pas sur le toit. Desperce aussi. Ok.
Ah ouais, il est sur le toit. Oh, failli peser. Failli marcher sur un Pokémon, là. Ah, come on. Comment je monte sur ce toit-là? Pokémon? Non. The fuck? Ben, à partir en étant juste à côté, non, là. Non, ça, ça marche pas. Avec le saut par en arrière. Non, c'est ça. D'après moi, il me faut le power pour grimper. Là. Pour pouvoir grimper sur le bord. C'est des montagnes ici, tu sens le power. Ah, ATM. Baton Pass. Oh, 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 oh. Il y en a un autre. J'ai le code de groupe. Ouais, ça sera pas long. Je vais revenir. Bon, form a groove. And his name is John C. Toutes les fois, il me fait exploser les écouteurs, man. Ah, Joanie, quand tu fais une entrée très remarquée. H6176G. Oh oh oh. Matt est là. Ouais. Hey Matt, viens-t'en sur Discord. Donne-moi une petite seconde. Je vais aller te patenter quelque chose. Discord. Discord. Embarque dans n'importe quel groupe chat. Ben, anyway, tu devrais être capable de voir live sur Twitch. Sinon, embarque dans n'importe quel, puis je vais te. On t'a invité. On est tous là. Yes, sir. Si t'étais pas déjà allé là, Matt, ben maintenant t'es rendu au Pokémon League. Ça, non, j'imagine que tu vas amener une place fucking bâtard. Voilà, ça je pensais. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Matt, tu iras te démuter. Oh, il est là. Ouais, tu iras te démuter sur Discord. Et j'en reviens dans 30 secondes. Ah ben, tabarnak. Oh. Je suis plus mute. On t'entend plus. Ben, on t'entend plus démuter, mais on t'entend. Cool. So. Ben. Ouais, 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 ouais. Bon, qu'est-ce que c'est qu'on a? Yes, sir. On se parle d'une game violette, on pense. Yes, sir. Je sais pas entendu, Joanie s'est abonné en même temps. Merci de ton abonnement, Joanie. Un gros 1000$ pour nous. Et non, c'est pas 1000$. And his name is John Cena. Fait que, c'est quoi tu disais, Matt? On est dans la version Scarlet, Violette, hein? Scarlet, on est dans la mienne. Ouais, Larvitar, c'est pas ici, mais on peut checker. Attends, on va mettre lui. Tiens, check mon Pokémon. Oh, nice. Moi, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une évolution. Ouais. Tu veux savoir comment la faire? Comment? Ah, tu veux savoir comment faire son évolution? Ouais, vas-y donc. Je l'ai même pas attrapé encore, mais vas-y donc. Une fois qu'il va être en Primeape, à partir de level, je pense c'est 35, il va pogner la technique Ghost Rage Fist. Fait que plus il frappe, plus il s'en... À chaque fois qu'il se fait taper, ça augmente sa rage, puis plus il frappe, plus le dégât monte. Fait que faut que tu utilises 20 fois ce skill-là, puis après ça, tu lui fais un level, puis il va évoluer en Annihilate. Il va être Ghost Fighting. Okay. C'est ça. Oh, il y a un Gimme Gold direct là. Wow.
Bon, on va regarder sa map où c'est qu'on est. Ah, on est de route là. Bon, alors c'est pour jouer la tabassée. Pas loin d'ici, il y a des larvetteurs. Je vais passer par. Je vais aller là. Puis, je vais essayer de me rendre. Les amis, hello les boys, bon live, yes sir, merci. Joignez rendu à 6 mois de suite. Nice. Bon. Par où est-ce que c'est? On s'en sort pas. Bon, ok. Ah, vous êtes là. Hey, Joanie s'est abonné pour son 6e mois d'abonnement. Yes, sir. C'est un plus tu ici. C'est où déjà le petit chemin où qu'on se rendait, où qu'il y a les larvetteurs, toute la trail là? Je suis en dessous de. Je sais pas si tu vois, je suis rendu où ça la map, là, mais. En dessous de Alfornada. Ouais, mais. Non, c'est vrai, c'était pas là, c'était à côté. Ah, ok, ouais, le chemin. Ouais, il y a un autre chemin. Quelque part dans la montagne. Ouais, il y avait un petit chemin caché ici. Ouais, j'ai un petit peu plus débloqué de place, mais on fait dans la foule. Dans ce coin là. Tiens, on va aller par ici. On va s'y rendre pareil. En effet, je vois pas rien. En effet, 6 mois. Là, c'était. Il me semble que c'est par là. On va se mettre un marker. Je vais essayer de me rendre, puis vous viendrez où je suis. Ça va vous donner. Bon indice, c'est des levels à peu près autour de. C'était quoi, je pense 30-40. Oh, si tu veux un Mankey, il y en a un en passant ici. Au pire, viens-t'en, Matt, où je suis. Il y a un Mankey. J'ai un petit monsieur. Oh, puis il y avait le titan Air juste à côté de moi. Là. Puis un Rock Ruff aussi, si t'en veux un. Popeye, hein? Il fait des bruits comme dans Phasmophobia, c'est genre le bruit de zombie. Hein? Je l'ai trouvé, c'est ici. Ouais, ben j'attends la map. Il y a un Mankey ici, on va se diriger. Regardez, c'est la map où je suis, puis c'est là l'entrée. Ouais, il n'y a pas qu'à se tirer. Ok. Ouais, c'est ça, je me doutais que c'était par là, mais fallait passer par-dessus l'eau. Ouais. Yep. Ok, il y a un Mankey juste ici, si tu veux, Matt, direct devant moi, sur le bord de la falaise. Ouais, ben je sais que tu disais que tu l'avais pas encore attrapé, là, mais si vous voulez. Hein. Sinon, ben on peut se diriger où il y a les larvetteurs. C'est que c'est lit, ça. Bon. Ouais, c'est pratique, par exemple. Ben, je parle pas de l'arbiter, je parle de l'espèce de petit insecte. Regarde les dents. Ouais, je parle de sauterelle. Ouais, le dark bug là. Ouais. Les dents sparse, ils humpent le mur. Ah, ouais. Super speed. Attends, on va aller, il me semble que c'était. Là, tombe pas tout de suite. Je suis en avant de la porte. Ah, ben attends, une Pokéball juste ici. On va dropper par ici, puis on va s'y rendre. Il me semble que c'était par là. Ouais, c'était plus bas. Rock Ruff. Ah, vous êtes loin, là. Ouais, on a fait le tour, on est l'autre bord. Bon, non, on est comme par l'autre bord de l'entrée. Là. Tu traverses à travers la montagne dans les doigts de où que je suis. Là. C'est direct en dessous de moi. Rare animaux. Direct ça. Tu t'es caché, je t'ai perdu de vue. Ah, regarde dans le vide en bas. Il y a un dragon, whatever, je sais plus c'est quoi ça, c'était Pokémon là. Tu peux te trouver, tu peux checker sa map pour voir je suis où, mais approche sur le bord de la falaise là. Ah, j'arrive, c'est juste que je change des manettes, je suis en train de faire un switch, c'est la switch. Ah.
En effet. Et anyway, si t'arrives sur le bord de la plage, en bas le sable, il y a un chemin pour arriver où je suis. Dans le PDK. On se fait comme ça. On se garoche en bas. T'es dans le sable en bas? Non, je suis juste avant le sable. Mais même si t'arrives dans le sable, c'est pas grave. On a pris de la grotte, c'est bon. Tada! Fait que dans cette grotte-là, il y a des larves éthères. Et il y a aussi des clever wolves. Il y a des glettes à gauche. Tu sais, t'en as pogné pas mal de salandites, là. Sont genre quel level les larvetteurs pour défendre? Ici ils sont bas level, mais à l'autre place ils sont genre level 30-35 à peu près. Les Dunsparce. Ça c'est les dragons patentes. On peut toujours faire un pique-nique aussi, j'imagine que c'est moi qu'il faut qu'il fasse. Sauf. Savez-vous c'est quoi cette affaire là? Ben, c'est affaire, la cloche. Le genre de cloche qui ressort du sol. Ah ouais. Ça, faut, ça tu vas en trouver, c'était combien? J'avais dit, je pense que c'était 8. 8 de chaque couleur, t'as 3 couleurs. Fois que t'ouvres les 8, ça t'amène à des portes. Ben, ça t'amène pas, là, ça te débarre une porte. Vous êtes 33 chasseurs, ouais, en effet. Donc, ça, tu vas débloquer jusqu'à 3 portes. Puis, chacune des portes, c'est un légendaire. Oh, nice! C'est des hosties légendaires vraiment laids pour vrai, mais c'est des légendaires pareil. Je peux pas aller voir. Je sais pas. C'est des nouveaux légendaires ou? Oh, ouais, c'est du brand new. Ah, oh, fuck off, un des glaives qui a spawné dans ma tête. Bon, ben on va aller l'enlever parce que c'est la force des enlever finalement que ça marche. Ouais. Fait que quand t'envoies, fais juste l'activer. J'ai déjà trouvé une des portes à date, mais tu sais, j'avais pas ouvert toutes les. Toutes les trucs. Moi, j'ai trouvé deux portes, je pense. Ouais, ben il y a une place, j'ai vu dans une vidéo une autre porte cachée, puis genre le gars est arrivé devant, puis il y avait genre 12 Pokémon devant la porte. Ouais. Mais c'est comme au travail de l'eau, faut que tu passes. La troisième, je sais pas où. Bon, on va-tu tuer un dragon géant? Ouais. On pourrait, mais lui voulait un Larvitar, mais attends, au pire, on va juste aller chercher un Larvitar. Non, mais lui, il est rendu au Titan Dragon. Ouais, c'est mon prochain. Ah, ok. Bon. Good. Ben, vous voulez faire l'Arbiter ou vous voulez faire le Titan? Peu importe. Parce que si tu vas à Alfornada, juste en bas, là, il y a des l'Arbiter juste à côté. Faut juste retourner dans la caverne, puis c'est ça. Ok. Où ça? La ville, juste en dessous qu'on est. Alfornada. Eux, ils sont plus haut level, ils sont genre 35. Ok. Ok, fait qu'on s'en va dans le coin du Gym Psychic. Ouais, c'est ça, juste en dessous de nous autres. Tu l'avais-tu fait? Non, je suis rendu à le faire justement, mais là le live commençait, fait que j'étais comme bon, c'est pas grave. Les Pokémon sont assez hauts anyway. Là. Ouais. Je suis pas stressé pour ce jeu. C'est le seul. Je crois que c'est le seul qui m'a donné un petit peu de challenge, ce gym là. Là, j'ai rien que descendu le chemin, puis je suis rentré dans la grotte, là, mais. Je vais t'avouer, aux Pokémon que j'ai, je pense pas qu'ils me donnent de challenge. Ouais, ben j'étais un peu low level, comme quand j'ai fait le Pokémon League, là, j'étais, mettons, level 52. Eux, c'est genre des 57-60, fait que j'ai rushé un petit peu. Disons que mes combats finissaient très juste. Là. Les Pokémon sont à ce moment dans ces niveaux-là, puis j'ai genre 4 Dark, un Bug de près pour ce gym-là, fait que. Ouais. Un Terra Dragonair. Ça devrait bien se passer. Ah, ouais. Bien. Oh, Pupitar. Si tu veux, il y a un Pupitar ici. Mais ouais, c'est sûr, c'est pas un Arbiter, mais c'est quand même un peu plus tard. C'est un peu plus tôt, un peu plus tard. C'est ça. Il y a un Toxtricity. C'est pas un Arbiter, c'est peu plus tard. Moi, je suis rentré en grotte, j'ai longé la droite, pis t'as qu'à descendre. Quoi? Ouais, c'est ça. Il a fait mal à mon ghost. C'est tabarnak. On va envoyer. Tiens, Heracross fait longtemps. On va exploser les gars, les Heracross. Ce qui est pas pire avec les quick battles, c'est que tu peux avoir un gars genre 5 à 10 levels en dessous, mais si t'as l'avantage de les mains, il va les péter. Fait que c'est une façon de farmer de l'XP crissement vite jusqu'à ce que tu pognes leur level, puis tu peux faire des vrais combats contre eux. Ouais, mais tu pognes moins de. Tu pognes moins d'XP aussi. Ouais, tu pognes à peu près le 2 tiers de l'XP, mais je veux dire, tu sais, admettons t'es level 40, une zone 50, ben au moins t'es capable de le péter. Tandis que si tu vas avec ton 40 contre des vrais 50, en 1 contre 1, tu te fais péter. Ouais. Tu l'as-tu vu depuis plus tard? Non, pas encore.
Ok, ben là, c'est toi qui étais à côté de moi. Je l'ai pas vu. Ok, il y a un dingo ici, par exemple. Ça parlait de toi. D'après moi, il a disparu. Il y avait plus tard, t'es direct où on est, mais je vais me promener, peut-être juste despawner. Moi, je viens de trouver un dingo. Ouais, je l'avais pas gagné. Toxicity. Non, c'est bon. Bon, caught un Dragonair. Mon Dragonite, je m'en suis servi. Pour. Voyons. Le. Si tu veux dire la ligue. Ouais, tu marchais pas pire. Bon, il était pas pire, mais il a été pratique pour une coupe. Mais le dernier, clairement. Pas le dernier, mais il y a les deux derniers, je les ai finis avec Gengar. Ok. Oh, il y a un TM de caché, ça. Oh, Focus Blast. C'est bon, ça. J'essaie de trouver un autre Larvitar. Oh, un autre TM. Je suis en train de pogner le dingo. Oh, Rock Tomb. Ouais, pas de tomb. J'essaie d'en trouver un. Sinon, on va juste faire un pique-nique puis respawn tout le monde. Les dinos, il y a un fucking plein partout. Bah, moi, j'en ai pas. N'a pas moi, dino, il est dans ta game. Il est dans Scarlet. Ouais, c'est ça, il est dans Scarlet. C'est pour ça que je refuse. J'en vois pas de ça. Ben, ici où je suis, il y en a fucking plein en ce moment. J'en avais déjà un. Mais, tu sais, si tu veux, viens t'en où je suis, là, il y en a plein. Ouais, j'arrive dans la grotte que tu as parlé, là, complètement en bas au sud, au Cap Psychic. Là. Puis on a remonté dans la grosse grotte avec les level 35 à peu près. Là. T'as pogné une Toxicity. Je vais juste attendre qu'il arrive s'il veut pogner un déno. Alors ça, je vais faire un pique-nique pour essayer de respawn tout le monde. C'est toi, je suis dans la caverne, mais je suis pas de tout. Tu descends, puis tu longes de la droite. T'as-tu revu un Larvitar entre temps, non? Non. Fait que c'est pour ça que je vais faire un pique-nique pour essayer de respawn tout le monde. Un autre déno, il y en a un droit de ça. Je sais pas, t'es où, Clever? Je sais pas, là. Je pensais que c'était par là, mais. Ah, mais. Non, va à ville en bas. Allez, passe par l'autre bord. Ouais, ben j'ai passé par en haut. Ouais, non, passe par en bas. Fais le sens pour en faire. Ah oui, ah non, c'est juste parce que je l'envoie pas. Je l'envoie juste pas de base parce que je veux pas péter le déno en arrière. L'entrée est là. Je pensais qu'il était dans le wild. Vous avez longé quel mur là-dessus? En rentrant, on a longé à droite. Selon à l'entrée à côté de la ville. Là. Le Psychic. Ouais, là. Ah, la deuxième caverne? Ben, c'est la même, là, mais c'est l'autre. C'est la sortie dans le fond. Là. C'est ça? Ah, oh, ok. C'est parce qu'on est passé par l'autre bord. C'est quoi ce Pokémon là? Quoi ça? Ça. Champ? Ah, c'est pas le style Pokémon à la fin Glimmer. Oui, ça, oui. Très de cochonnerie, ce style Pokémon là. Ouais, mais il y a une habilité assez intéressante. Ouais, mais je vais le pogner vu que c'est juste pour le pogner. Bon, je chie. Je veux pas. Oh! Bon, ça a l'air qu'on va le frapper. Moi, j'essaie de pas le tuer. Ah, c'est correct. Si je le fais un autre, il devrait pas mourir. Toxic débris, ouais. Self-destruct, pas chier. J'essaie de l'attraper, est-ce que, puis il se fait exploser les crânes. Je pensais que t'étais pas censé avoir de salamandre de ton bord. Y'en a un ici. Ouais, c'est de mon bord quand même. Ben, il est deux bords. Ben, je pensais que c'était un exclusif à Violette. Non. Non, Salamence, c'est exclusif à Scarlet, non? Je sais pas, mais y'en a fucking plein dans ma game. Ah ouais, y'en a une coupe, on a une coupe de Bagoon que j'ai trouvé dans les. Dans votre, de les... votre bord, c'est. Ah, oui, c'est Gabite. Ouais, ben vous, c'est. Ouais, ben Salamence, toi, tu parles du Dragon. Parce que t'as Salandit. Ouais. Avec son évolution, mais. Je suis là. Ok. Ah, il est là, Dino. Ouais. On va le pogner, vers ça, je vais faire un pique-nique pour respawn tout ce qui est autour de moi. Ouais, vas-y. Il faut que je te rejoigne pour le pique-nique, là. Bah, tu peux si tu veux, ça change pas. Genre, c'est exploration. Pick and nicken. Best not. Probably best not. So close to people. Ah, oh, come on. Ah, c'est parce qu'il y a un trainer à côté de ce qui était. Haha, marcher sa Pokéball.
Ah si, il est sorti chez Sam. Ouais, et je marchais dessus. Tout qu'il a fait sortir. Yes, sir. Bon, pique-nique. Bon, on va faire que je chope. Ah, je l'ai pas, Hero Crush, je l'ai sauvé. Ah, qu'est-ce que c'est? Voici mes Pokémon. Whistle. Je pouvais arriver ici avec un nouveau Pokémon puis influencer dans mon pique-nique, mais c'est ça. Envoyer de la Dragonite. Oh my god, le glitch. Je suis en train de faire un manual ici. Yes sir. J'ai eu un beau petit bug, j'étais pogné sur ma roue avant, mais genre, pendant un bon bout puis j'avançais devant. Bon, on va mettre fin à ça, c'est ça. Yes sir, on va essayer de respawn ce qui est autour de moi. Est-ce que ça a marché? Oh, Pupitar! Oui, ça a marché. Où ça? Direct devant moi, oh, il y a un Pokémon invisible. Pupitar devant moi. Moi, j'étais encore dans le chemin pour arriver à la sortie, là. J'étais à la même place qu'on était. Ah, fuck off, crise de cochonnerie invisible, je viens de me pogner. Même affaire. Bon, mais le Pupitar est encore là. Hey, ça sent n'importe quoi qui me tue, j'ai pas checké ma vie, c'est. Ah, ça a l'air que non. Oh, ben j'ai mon Dino. Ouais, puis Peter devant moi, toujours, là. Il s'en vient sur le moins. Oh, il sait. Ah, reviens. Juste à côté de moi. Tu le vois-tu, hein? Dread dans ta face, il a quasiment roulé dessus. Il se dirige vers le bord. Close. C'est où? Ah, il est là, ok, je viens de rentrer dedans. Il était comme pas apparu dans mon écran, sauf quand je rentrais dedans. Defense, special defense, ok. Hmm. The air across. Non, c'est le mien. Je sais pas, je vais-tu avec Close Combat ou Crush Chop? Crush Chop, c'est Sand Power, 80 accuracy, mais tu fais du crit. Close Combat c'est 120-100, mais je drop ma défense. Mais là tu te bats contre un ghost là? Ouais mais lui c'est un ghost. Ah ok, non, que... t'as fini, ok. Fait que non, je vais garder, on va mettre Close Combat. Ouais, c'est sur ça. Mon c'est sur mon ghost, ça c'est mon primate là, whatever. C'est quand même pas pire, il est ghost, fait que je peux bien dropper ma défense. Oh, il y a 3 toxicity, un petit puis un fucking grand. L'as-tu pogné depuis plus tard? C'est quoi déjà la différence entre les deux Toxicity? Je pense qu'un qui a plus d'attaque, l'autre plus de défense, mais dans l'autre version, c'est qu'il y en a un qui joue de la git, l'autre qui joue de la base. Je prends pas ça la même affaire, là, mais... Ouais, mais ici, je sais pas s'ils font la musique, là, mais... Tu me vois-tu au mieux ton battle? Ah, Matt? Hello? Il est mort. Hello. Tu me vois-tu au milieu de ton battle? Oui. Nice, avec mon Umbreon. Hi. Oui, monsieur. Ah non, c'est vrai, je peux pas faire ça. Bon, tu l'as-tu pogné finalement? Pas encore. C'est en plein milieu de. Umbreon, il fait like that trio. Ah ah, l'a pas pogné. Il fait chier. Il fait exprès ici. Tain, on va empêcher Pokéball de passer. J'ai failli pogner. Ça ressort une Pokéball dans la tête, je pense. Ou dans le péteux. Got it. Tu l'as eu? Ouais. Nice. Bon, il y a un délai parce que je te vois là en ce moment même en train de pitcher à Pokéball. Là, on va aller péter le Dino. Tiens, toi, mon esti. Nice job. J'ai un taxi sudé. Fait que là, maintenant que vous avez vos Pokémon, on peut aller exploser l'autre. Là, au moins, si tu veux l'Arbiter, tu pourras faire du breeding au P. Là. On va en faire un parfait. Ouais, mais c'est sûr. Moi, c'est sûr que j'en verrai un parfait plus tard. Tu vas en voir un plus loin, ouais. Non, c'était.
Tu vois en avant de moi, Siri, ce Pokémon-là, techniquement, c'est drôle parce que t'es pas censé l'avoir dans ta vie. Ouais, le celui qui se transforme en Salamence. Ben, ouais. Ouais, je sais. Mais, c'est quand t'es hot, t'as tous les Pokémon. Non, mais c'est peut-être parce que vous êtes là, je sais pas, peut-être que vous influencez les spawns, aucune idée. Ouais, ça se peut. Ah, peut-être. Attends, mais au poignet, le petit Pokémon de fave ici. Ouais, celui qui s'est explosé dans ma gueule. Le Glimmet, là. Ouais, il a fait un self-destruct. Je te suggère un quick ball. C'est quoi son style à lui? C'est un rock. Pas poison. Poison? Ouais, c'est ça. Ouais, rock poison. Ok. Il fait chier contre les water. Plus je me souviens plus que poison faisait mal à water. Moi j'envoie mon Azumarill, là c'est one shot. Je suis comme ta gueule. C'est pas water, c'est fairy. Ah oh, bon, c'est ça. Mais ça, Azumarill. Ouais. C'est fait crisser une claque à cause de ça. Puis en plus, mon Azumarill, genre, il a le buff d'attaque, fait que genre, il fait comme, genre, x2 d'attaque, mais calisse qu'il est là, là. Il fesse tout le temps en dernier, ça me gosse. Ah, c'est pour ça que j'envoie un Dragonite avec Thunder Wave avant, ou Raichu, comme ça, une fois qu'ils sont là, là j'envoie ça. Mais là, quoi? Nice dent. Bon, ok. Moi, je vais me déplacer vers le Titan. Je pense que c'est un Sting, ça. Ah? Tu vois-tu dans mon écran? Je vois quelque chose, mais je vois pas bien, là. Le petit Tatsugiri, ou je sais pas trop, le petit dragon, là. Ouais. Il y a une bulle de comme s'il parlait au-dessus. D'après moi, c'est lui qui est louche. Ouais, ça. Mais le nouveau dragon, il est quand même cool. Ah, j'ai l'évolution. Ah, il est dans mes boîtes, attends. T'as sa troisième évolution, le level 64, je pense. Ouais. Ah, pas pire. Ah, mais c'est fucking loin. Ouais. Okay, je vais aller là. Check, c'est ça. Quand même. Excalibur. Ouais. Oups. Je pensais ça peut-être le pogner, mais je me souviens pas, lui, c'est un exclusif à une des deux versions, ou... Non. Non, non. Bon. Là, c'était Dragon qu'on a dit. Je vais mettre. Dans le milieu du lac. Ça. Ouais. Y a-t-il encore un Gimigo à côté de moi, quand même? Des attires. Ouais. Ah, petit Pokémon là. Iron. Oh, Delibird. Ouais, le Delibird dans votre version en futuriste, là, il est fucking fort. Il est fort, hein, ouais. Ouais. Il est Iron pis Ice, là, quelque chose en même. Non, j'en doute pas. Hyper Voice. Dans tous les paradoxes du futur, le seul qui est vraiment laid, c'est Iron Thread. Là. C'est lequel, lui, déjà? C'est Dan Fenn. Ouais, c'est Dan Fenn. Ouais. Ben, je vais t'avouer, l'évolution du le High Dragoon, je trouvais pas que... Non, c'est vrai, il est ordinaire, ça a l'air aussi. Bon, je m'en viens en volant. Ah ouais, dread de même. Dread de même. Je suis en train d'explorer la map au complet. Cassier Royal Lake. Ah, tu il va tomber, là. Bon, d'après moi... Je me rends-tu à tour? Je me rends-tu à la tour? Ça, c'est pas backup, j'ai pas sauté. Ah, il y a un pont, là. J'ai jamais remarqué. Ouais, il y a tout le long de la falaise, il y a. Oh, Slowpoke, tu peux être sûr que je te veux pas. Ah, lui aussi, il parle. Oh, c'est quoi ce Pokémon-là? Petit crise de Pokémon rose, un genre de poisson fucking bizarre. Non, c'est ça le petit dragon que je te disais, il arrive en 4-5 couleurs. Ouais, celui qui est sur la terre, c'est un dragon? Ouais, c'est celui que. Check, celui que je viens de partir un battle là, là. On dirait un petit poisson, là. Oh, Tatsugiri, c'est quoi ce cochonnerie, là? C'est comme un sushi, mais c'est un dragon. Celui qui évolue avec le. Qui ressemble à une crevette? Non, lui, il rentre dans la bouche de la grosse baleine pour la booster de deux stages partout. Ouais. Bon, je l'ai pogné en rose. J'ai pogné le Droopy Form.
Ouais, je pense que la couleur a un impact aussi. Pas sûr. Great task. Je t'allais enlever ça de ma boîte parce que c'est laid. Hey, je t'avais enlevé, toi. C'est quoi déjà? Draw Selection Box. Oh, ah ouais. Bon. C'est vraiment un chat, mon Pokémon. Il veut vraiment pas toucher à l'eau. Oh, TM. Encore. Oh, Chris, il y a plein de Pokémon que j'avais pas vu. Je suis jamais venu par ici. Ah, c'est vrai, j'ai jamais été dans le nord non plus. Ah, ah merde. Une chose de titan est allumée. Hey there. False Dragon Titan. Bon. Ce serait cool si on pourrait les faire ensemble, mais. On peut-tu les faire ensemble? Non. Non, il y a absolument rien qu'on peut faire ensemble. Oh, fuck, j'ai fail. Les titans, on peut pas? Ah, shit, ok. On peut rien faire du tout. Oh, crise de gros poisson, ça, c'est l'espèce de baleine que tu me parlais. Ouais, c'est ça, la baleine, c'est ça. Elle est quand même cool. Ouais. Fait chier, je vais aller chercher le TM, j'ai tombé à côté, c'est ça. Ah, espèce de requin, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y en a fucking plein, de petite grosse sushi? Ah, oh, il y a du stock dans ce coin-là, moi, ça. Il y a du stock dans le chien. Là, oui, des plumes sur l'eau, c'est ça. Ben ouais. Des plumes d'oiseaux. Ah, c'est l'espèce de dragon, tu me parlais, mais là, il est en jaune. Oupi. Ah, c'est ça, mais là... Il est en rouge. Ouais. Ça fait à peu près 5 que je tue, là. Après moi, il doit pas en... Il m'en rester un ou deux avant que le Titan y apparaisse, quelque chose comme ça. Ah, faut en tuer pour qu'il apparaisse? C'est ce que j'assume, parce que c'est... Quand tu marches dessus, tu, ça, faut que tu leur parles pour triggerer le battle, genre. Sou, puis là, c'est Soutane. Ah, ils font juste comme... Leur Tachi, ok. Ok, ça dit que tu t'en... You are right, your destination. Ça fait 5 ou 6 que je tue. Sutam. Wow, pratique ça. Ça se chier avec le Tachi, Tai, Sho, Shishishi. Oh, 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 ça, je pense que ça doit être lui. Il est plus gros que les autres, puis tu peux pas marcher dessus. Ah! Ah, bon, ouais. C'est ça, j'ai parlé. Ouais, il est orange, là. Oh, yo! Ouais, c'est le mix des deux, dans le fond. Ok, ouais. On se bat avec la baleine, avec un autre dans la bouche, mais il est plus gros que les autres. Il est sur le bout de l'île, là. Ok, je vais y aller. J'ai envie de comme 8 de suite. C'est le Dragon Monster. Ouais, c'est le petit gros poisson. Ah, t'es fuck off, pis y'a pas eu mes attaques. T'as l'espèce d'île, là, y'a quand même un petit bout d'eau, pis t'as un autre bout d'île collé après elle. Ok, bon, le petit mognon va au bout, là, y'en a un, tu vas voir un dessus que tu vois, y'en a un plus gros, il est orange. Body Slam. Qu'est-ce que c'est? Il a l'air d'un poisson rouge. Ouais. FBI, open up! FBI, open up! Cage. It's not very effective. Ouais, il fait du Water Dragon, fait qu'avec Azumarill, c'est parfait. Sauf qu'il m'a confuse pis il m'a paralyze. Tout pour être sûr que je puisse réussir. Ok, c'est... la caméra est fixe. Ouais. Ouais, ben c'est un titan, tu peux pas... C'est comme les gyms. Ah non, c'est parce que je sais, je vois mon personnage en gros, c'est comme gossant. Ah ben, ouais, moi que c'est moi que tu vois, je sais pas. Ah oui, c'est toi. T'as raison, t'es culotte orange. Ouais, bon, on va faire un gros heal. Full restore. Oui, moi je t'ai tué. Ouais, mais t'es plus haut level que moi, si t'as un level 100. Non, j'utilise pas Asdu. C'est qui t'a pris et quel level? Moi il est 54. Ouais, c'est ça, moins 54. Parce qu'il m'a fait dodge deux fois, puis là il m'a paralyzed, plus qu'il m'a fait confuse. Fait que réussir tout le temps les deux, c'est pas évident. Mais j'ai fini par la battre. Tu t'appelles un dresseur de Pokémon, en tout cas. Ouais, mais je dresse quand j'ai le temps. Oh, il est disparu, Calice. Il est allé où?
Find the False Dragon. Ah, okay. Find your mom. Là. Ah, ben il est là. Pas bien compliqué. Tiens. Je suis en train de passer par-dessus. Swift Feather. Ah, oh, fuck, c'est petit poisson de mer. Oh, un autre. Un slowpoke. Les Titans, on peut les. Après, on a fini l'histoire. On peut les capturer, mais ils deviennent une grosseur normale, mais ils ont un title, genre. Ok. Ok. Un peu comme Charizard, là. T'sais, un Charizard The Unrivaled, les autres, c'est The Former Titan. Very good. C'est quoi le style de ce Pokémon-là? C'est... Water Dragon, je pense. Water, sir, Dragon, je suis pas sûr. Ben, en tout cas, c'était sûr que le côté Dragon. Ouais, mais il est pas. En tout cas, il est pas faible contre le Fairy. Non, c'est vrai. C'est The False Dragon Titan, c'est pour ça. Fait que non, il est Water pour vrai. Ah, tabarnak. Ok, j'ai pas eu bon Pokémon pour ça. Ben, j'ai un. Ouais, c'est ton Raichu, n'importe quoi. Ben, dépendant de ton level, tu peux faire certains dégâts pareils, mais. Flower Trick. Bon. Tu vois. Ouais. Ok. Je vais te dire c'est quoi qui est bon contre lui. T'as électrique, pis c'est pas mal ça. Electric pis grass. Ouais. Attends, on va changer pour Dragonite. Ça va aller un petit peu plus vite. Si t'as un Ice qui fait Freeze Dry aussi. Ouais, ben Ice, j'en ai pas. Justement, c'est ça qu'il faut que je fasse. On va faire Vaporeon avec du Ice. Ice, Ice, baby. C'est bon. Wow, Tail Whip. Ah, moi aussi, j'ai fait ça. Thunder Punch. Bang, badaboum, je fais autant de dégâts. Ok, faut battre le petit frère. Aussi. Ouais. Ouais. Ben, le petit, il doit être Dragon. Ouais, lui, il est Dragon. Ah. Bon, encore paralysé. Ah, aïe, j'ai même pas one shot. Damage by the recoil. Il aurait fallu que je fasse Thunder Wave en temps. Ah ah ah. Fucking Paralyze. Ben, je sais qu'une fois que t'as fini toutes les gyms, tu peux taper toutes les gyms en level 60. Apparemment, mais... faut toutes les faces pour avoir accès aux autres. Faut que t'ailles finir le jeu, mais j'ai essayé. Ouais, ben, ouais, les titans et les stars. Après ça, les gyms, tu peux faire level 60. Une fois que t'es réussi, tu débloques les 5 étoiles. Le tournoi. Le tournoi. Ouais. Ouais, les 5 étoiles aussi. Puis là, faut que tu fasses tournoi pour débloquer 6 étoiles. Puis quand, faut que tu fasses je sais plus trop combien de 6 étoiles. Puis on a un gars de parle, puis là, tu débloques les 7 étoiles. Puis, ouais. Non, ça, c'est pas débloquer les 6, les 7 étoiles. Pour moi, c'est juste des events. Ouais, ben c'est ça, mais faut que tu fasses le 6, je sais plus trop combien de fois, pour avoir accès à débloquer les 7, pour avoir les events. Parce que Charizard, même si t'as accès au 6, t'auras pas accès au 7 tout de suite. Faut que tu fasses un paquet de combats de 6, qui dit, genre comme quasiment 5-10 combats de 6 étoiles, puis là ça va te donner accès aux 7 s'il y en a. Là. Bon. C'est le spicy Airbomb. Bon. Un petit crise de cochonnerie qui a l'air overpower. Oh, il m'a ramené mon Azumarill. Nice. Ça, c'est fucking drôle. J'ai changé de Pokémon durant le combat. Combat fini, ça me ramène l'autre, ça me ramène Azumarill. Fait que là, j'ai le Fairy type. Je suis comme parfait. Oh, j'ai enlevé une petite partie. Take down avec un écureuil. Hey, je vais manger un sandwich. Chanceux, c'est bon un sandwich. Ice Wind. Puis y arrives-tu, Matt? On voit pas ton image. Bien. En fait, j'ai fait la première partie, j'arrive à la deuxième, mais je me faisais un petit change-up de Pokémon parce que j'étais pas prêt à ça. Ouais, ben la deuxième, t'as ça, deux battles, t'as le gros Water, ou ça t'as le Dragon.
Ouais, c'est ça. Là, je vais commencer par essayer de péter le gros boiteux plus Je peux facilement. maintenant grimper. Mais bâtard. Nice. C'était le seul titan qui nous manquait? Ouais. Ok. Fait qu'après ça, il va nous rester les teams patentes. Je pense que moi, il nous en restait deux. Il y a celui Fairy complètement en haut, puis il y a le Fighting complètement à droite. Ouais, ben on peut aller faire le fighting vu qu'on s'est rendu l'autre fois là. Ouais, Fairy, j'ai jamais été par là encore. Faudrait que j'aille Moi dans le j'étais nord puis je allé, monte. j'ai j'ai le relais, le flying du programming center qui est à côté là. Ben, Colin. Ah ouais, le chien mange ton sandwich. Ouais, 28 minutes de l'eau. Le blabla plus tard. À peu près ça. Changer mes choses en fast. Hein, ça, si tu jamais ou pas? Wow. Time for the sandwich. J'ai cru comprendre qu'une fois qu'on va au centre de la map, que les Corédons puis whatever là, leur nom, là, y en a plein qui se promènent puis tu peux les attraper. Ouais. Bon, ouais. Parce que j'ai vu un gars qui se promenait puis il y en avait une coupe un peu partout là. Genre il a comme forcé un appareil pour essayer d'empoigner les shiny. Fait que On je sais voit sans trader un. que... Ouais. Puis comme vous avez le Shark Cadet, je sais pas trop quoi là en Ghost. Moi de mon bord, il est Il Psychic fait Fire. ça. Faudrait que je check pour le. Qu'est-ce qu'il faut pour le transformer. Faut que je fasse un armor. Ça te prend 10 bronzor chip. Je suis pas sûr que ça me prend la même affaire que vous autres. Non, non, ça Non, c'est c'est ça. bien moi, c'est d'autres Ok. choses. Nous autres, c'est les Synesthetic Chips. Ouais. Bronzor, c'est quoi? C'est la pré-évolution de l'espèce de grosse cloche, là? C'est ça? C'est l'espèce de grosse cloche, je pense. Ben, Colin, on va aller péter les Il est où cloches. est-ce que j'avais ça? Ah, il est là. Ouais, il y a le dessin sur la map. You did your best, bud. Bon, fait que là, on va pouvoir mettre ce charcoal, là. Oh, ben bon, la Pokéball qui roule tout seul. Lui va s'avancer, je te crie, il va aller dedans, il va faire comme Pikachu, comme prends-moi. Le Pikachu, ben non, je t'emmerde, je veux pas aller dans le crise de Pokéball. Ouais, mange le Pokéball. Hey, il se passe quoi si un Pokémon mange le Pokéball? C'est pas. Je viens de briser le jeu. Ça revient à l'envers. Ah. Il se libère aussi facile que ça. Bah ça aussi, peut-être. Fait que tu as un gars qui échappe sa Pokéball dans le fond de l'eau, t'es comme... Oups! Ouais, c'est ça. J'ai peut-être un Pokémon qui va finir par mourir là-dedans. Faut retourner sur le chemin du début. Ah. Bon, fait qu'il peut pas encore se battre. Non, il peut pas encore se battre. Ça. To the Pokopat. Psychopathe. Ouais, c'est ça. Oups. Ouais. Wouf. C'est ici.
Hey man, c'est fucking long cette boîte là. Si qu'il y en a du blabla. What? Là je suis rendu au petit poisson dragon là, mais il sent aller chercher le monde. You Chris, je monte en haut. Man, ça va-tu finir un jour ce petit blabla là? Ok. Ça fait 20 minutes, là, j'ai le droit de monter. Je peux-tu faire quelque chose? Bon, il sort là, il rate par moi une bonne affaire. Ben, il demande vraiment, genre, sa mère était où tout ce temps? Genre, depuis le début, on sait où sa mère est dans la fucking maison. Et. Non. Boy. Mais à lui, pas toi ici. Ben c'est ça. Dès le début du jeu, on la rencontre, ça va, il me semble. Non. Sighter. Ça? Sa mère, c'est la fille hein, de la professeure, là. Ben c'est ça. Mais on la rencontre au début, me semble. Non. On la voit sur la télé, c'est tout. Ok. Ça doit être ça de bord. Bon. Fait que là, on y va-tu avec les teams patentes ou Ou on retourne faire l'objectif site. Mais ça donne quoi le Pocopat? Je sais pas, là, il est encore en train de parler, il m'ouvre une porte, puis là, je viens de rentrer dans la porte. Ah, oh, ben, Colin. On va le faire, t'inquiète là. Ok, mais faut vraiment. Ben, c'est ça. Set as destination, non, je veux faire fly. Non, c'est moi, c'est l'autre à côté. Bam! Hey, y'a pas de. Pas de. De fossiles dans celle-là? Non! Donc, c'est, ça serait la première fois. Pas de mauvaise affaire, parce que plus ils font. Ouais, plus ils font les fossiles, plus ils sont dégueulasses. Ouais. Ouais. Dans l'autre, le style de genre tête de dragon miniature avec une espèce de cul de poisson genre fucking géant, t'es comme sérieux? Hein? Puis tout ce qu'ils ont montré, c'est oups, on a mélangé deux fossiles. Ouais, mais pourquoi on fait des affaires là, genre? Ah, c'est ça. C'est quoi l'idée de mélanger les fossiles? Christ, ça drogue solide. Là. Pour intéresser le monde, puis imaginer que c'est quelque chose de réel, on va faire deux affaires qui se peuvent vraiment pas, genre, ça va être écœurant. Pis genre, nice. Ça va être laid en plus, fait que le monde n'aimeront fucking pas ça, ça, toi, ça va pogner. Pilot book. Mais c'est la raison pourquoi il peut être joué, c'est juste parce à cause de ses types, genre. Sinon, le monde en a rien à foutre, genre. Ouais, c'est ça. Cette vieille porte. Il a jamais pensé à ouvrir la porte. Depuis tout ce temps. J'ai pété le titan. Il était là. Ouais, il va te rester 28 minutes de blabla. Ouais, c'est sûr. Ouf. Hé là, sa mère, ça, je te dis. I need your help. Ben, bravo. Ils ont vraiment mis des post-it dans l'écran. Genre, c'est pas sur le cadrage, à côté, ils ont collé ça dans l'écran. Wow. Dans le cratère, ok, on s'en doutait tous. Is the Scarlet Book. Tu sais, j'ai fini une des séries de cours là, dans l'école pour voir qu'est-ce que ça donnait. Là. Ok. Ouais. Ça donne rien. Bon. Ben, j'ai lu, je me souviens plus c'était pourquoi, si tu finissais biologie au complet, il y avait quelque chose de spécial par rapport à ça. Je me souviens pas si ça donnait un élément ou un objet ou je sais plus quoi. Ah oui, faut que, je pense faut que tu finisses tous les cours de biologie. Puis après ça, tu attrapes tous les Pokémon pour avoir le Shiny Charm ou je sais plus trop. Ah ouais, ça se peut. Chose de même, là. Parce que je sais que c'est le directeur qui donne le Shiny Charm. Bangalore, mais j'avais vu quelque chose par rapport
La biologie, là, faut vraiment que tu fasses tous ces cours pis quelque chose. Ouais, j'ai fait tous ceux de Battle. Ok, Ça m'a ouais, donné vas-y. des experience candy, medium, puis des iron, genre. Pas pire, ça fait une couple de petits levels. Que on va dessus au store puis on revient, on fera chacun notre bord après. Ouais. Ben là, j'ai pas fini son blabla, mais. Non, c'est ça, c'est parce que là après il veut se battre là, mais là j'irai pas le partir. J'aurais pas y péter la gueule. Oh. Là. That a bed for Pokémon, ma shift is right on. Ben oui, c'est tout. Tam tam Ça tam. fait un couple de raid après. Ouais, ben là on voulait aller faire Team Star. Ça donne plus de TM. Ok. Ah, c'est ça que ça donne? Nice. Ah, ben ça donne des matériaux aussi puis des LP. Ouais, mais je savais pas que ça donnait accès à plus de TM. C'était le forte. Tell the port. C'est quoi? On a dit fighting puis fairy. Ouais, Fairy, tu l'as pas débloqué encore, fait qu'on va aller faire un fighting. Fighting, tiens, j'ai lui qui fait. Fait rien de bon. Ok. Ah, mais j'ai Azumarill qui fait fly. J'ai Raichu qui fait fly. Fighting, quand même haut level, je vais prendre Gengar. C'est vrai, ça nous en prend trop pour faire ça. Qui c'est d'autre que je peux prendre? Tyranitar va se faire péter la gueule. Ben, en tout cas, il est haut level là, mais. Ok, Azumarill. Gengar. Pipipi. Annihilate, c'est Fighting Go, ça marche pas. Ça marche pas, Ouais, lui. Raichu. Ça marche pas. Azumarill, il dort à terre. Tu regardes mon image, fucking old, comment il dort. Il est genre fucking foiré. Il y a Hurricane, je pense. Bon. Bon. Fighting. Où Avec es-tu, lui. ici? Je position 7. Swish position. Puis peut-être un autre Mais dans le Mewtwo. nord, il me semble, c'est supposé être une petite affaire plus bas level que où qu'on est. Ça se peut, je sais pas. Parce qu'ici, c'est des levels de 50 quelques, là. Tabarnak, y'en a des Luxury, ça. Venomoth, Scyther. Ouais, Scyther, je pourrais le faire évoluer en Scissors. Il Ça est te quand prend même Metal bon. Coat, pis il se vend juste au marché. Mais peut-être Oh. faut que tu le perds, c'est comme random, genre faut que tu le voyes en vente pour pouvoir l'acheter. Au marché, je sais même pas de quoi tu me parles. Oh, les à l'enchère là, tu sais le marché où ce qu'il est enchère. Ah non, j'ai pas été voir ça. Ah c'est lui, il faut que je prenne, c'est ça. Team Star. Techniquement, finissant ces trois-là, je me souviens plus si on finit le jeu tout de suite ou c'est après avoir fait les Ace Tournament, je Ah. pense qu'on finit le jeu. Ben, en tout cas, la Ben, je pense que cinématique. les Ace Tournament, c'est après qu'on ait fini le jeu, je pense. Parce que je sais que les 6 et 7 stars, c'est fini le jeu, puis en bas, je crois que c'est en finissant le jeu, mais les A, je me souviens plus si c'était avant ou après. Oh, on y va. Bon. My companion are running on empty after the last battle, so it's bring around, but I think Ben oui, c'est sûr, je veux faire tout ça. Then here I come. Boom. Bon, aveugle, j'y tabasse. Krogon. Poliwhirl puis Poliwrap, c'est pas dans le fait, ça fait longtemps qu'on les a pas vus dans les Pokémon. Ouais, c'est Ouais. vrai. Parce que personne, parce que tout le monde s'en calisse.
Ouais. Ben eux ils sont water, dernier water fighting me semble. Puis ils ont des techniques psychiques en plus. Puis ça c'est un mix quand même pas pire. Je sais qu'ils faisaient hypno, ouais. Mais... Boom, it's super effective. Oh! Primeape... Ah non, on va essayer. Oh, play rough, mais ce n'est pas que c'est fort contre Primeape. Fairy, c'est bon contre Fighting? Ouais. Ouais. Ok, l'autre Pokémon d'avant, c'était pas le cas, mais ouais. Comment? Les faiblesses de Fighting, c'est Fairy, Flying, puis Psychic. Ouais, Flying, j'ai toujours utilisé ça. Psychic, je m'en doutais, mais ce n'est pas Fairy. Last Resort. À l'époque, ouais, le monde utilisait principalement les types de base. Fait que eux, je les connaissais tous par cœur, mais... Ouais, c'est ça, les nouveaux types, c'est pas tout le temps évident de voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, ben à l'époque, c'était du Ghost, Fairy, Dragon, Ground, même à la limite Steel, genre le monde utilisait à peu près pas ce qu'elle n'avait pas, genre. Tu t'en crissais pas mal, là. Master, genre, tout le monde a fucking ça, je suis comme fuck, c'est quoi déjà? Surtout que moi j'ai fini la première génération plusieurs fois, puis la deuxième. Fait que deuxième, ils ont rajouté Dark pis Steel. Mais les autres affaires étaient pas là. Là. Dans la première, t'avais même pas de Fly pis de patente de main. Je pense que t'avais même pas Ground non plus, c'était juste Rock. Oh, il y avait Ground. Oh, dans la première génération? Ouais, Joe Dude, il y a Rock Ground. La seule différence, c'était Metal pis Dark. Parce que, tu sais, comme Kangaskhan, lui, il est normal. Il me semble qu'il est Ground par la suite. Mais non, Onyx, il est... Normal. Onyx, lui, était juste Rock, me semble, dans la première génération. Nope. Non, Ground Rock aussi. Ground. Avec Joe Dude, puis... Joe Dude, Graveler Golem aussi, qui était Ground. Ben, regarde, juste un bon exemple. Le Pokémon qui était juste Ground, c'était Diglett. Il semblait qu'il avait ouais, du Rock. Dans la première, comme Red puis Blue. Là. Mais. Parce que Yellow, ils ont déjà commencé à modifier quelques types. Il y en a qui ont modifié puis ont ajouté. Là. Mais pas acheter des nouveaux types, mais ajouter à certains Pokémon. Là. Puis dans bon, deuxième, ils ont commencé à modifier. Là. Et les styles qu'ils ont rajouté, genre par la suite, c'est Dark, Fairy, Ice, Steel. Ouais, ben Dark puis Steel, ça c'est la deuxième. Là. Ouais, parce qu'il y a eu Fairy Ice. Ouais. C'est autre chose, non? Ice, c'était avant ça. Ice, il a jamais été dans la première, puis dans la deuxième, il ouais, était pas ça. Là, parce que Jinx était juste Psychic avant. Puis après ça, il est devenu fait, Ice. Ah ouais, peut-être, ok. Il était là, mais il y avait pas vraiment de Pokémon Ice. Je faisais dans ce fond, à part Articuno, il y en avait pas. Mais il y avait la Press. Il y avait des moves. Ouais, mais Lapras, c'était juste Water avant. Ouais, il était juste Water dans le temps. Il y avait des moves Ice. Ouais. Articuno, il était pas Water dans la première génération. Tu sais, dans Red Blue. Puis après ça, dans Jaune, ils ont rajouté Ice. Non, mais c'était le seul Pokémon Ice, en fond. Non, Jinx. Non, Jinx était Psychic au début. Elle est devenue Ice par la suite. Ok. Parce que je sais, toutes les fois, j'étais ah, c'est une psychic quand j'ai commencé à jouer à deuxième génération. Puis elle m'attaquait avec des affaires, j'étais comme tabarnak, c'est quoi ça? Puis je regarde, c'est Ice, je fais d'accord, Chris. Ouais, puis il était, ben, me semble dans le premier jeu, mais ça, je suis plus sûr, me semble qu'il était dans le gym, dans la Elite Four, c'était un des Pokémon du gym de Ice. Ben, dans la première, il n'y avait pas de gym de Ice. Ben, pas le gym, mais dans la Elite Four, là. Ouais, il y avait pas d'Ice dans le premier. Il y avait Dragon, ça, il y a dans toutes les crises de jeu, mais... Ouais. Mais c'est qu'il y en avait pas beaucoup, tu sais. Dragon, la première génération, c'était pas mal juste Dragonite. Ouais, t'avais Dragonite. Il utilisait deux Dragonite, un Charizard. Ouais. Quoi d'autre qu'il prenait? À un moment donné, il y a eu un Kingdra dans les autres générations. Ouais. Like Kingdra, c'était la deuxième génération. Ouais. Mais ça c'est pas déjà. Ouais,
La même chose. Il y a toujours pas quand même que ses compatriotes. Hein? Bon. Quand vous voulez, man. Let's go. Est-ce que tu fais des raids ou. Vous êtes sur la là, on est en train de faire Team Star Fighting. Moi, j'achève. Hein? Okay. Ben là, moi, je suis rendu au battle final. Vous avez vu mon seul charge, je vois plus vraiment les gros écrans. Ok. Ben là, toi, dans les Team Star, t'as quoi à faire? Mon dernier, j'ai fait. T'en as fait combien dans le fond? Ben dans le fond, j'ai fait Poison. Fait que là, dans Team Star. Ok, t'en as rien que fait un. Okay. Non, ben j'en ai fait une couple. J'ai fait Fire, Poison. Poison, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai fait. J'en ai trois de fait, je pense. Parce que là, moi, j'étais à Fighting, c'est les 50-55. Mais t'as Fairy qui est complètement haut que j'ai pas fait. C'est le dernier qui nous reste. Ça, je me demande c'est quoi l'autre. Non, je vais arriver à Rome. Non, non, Team Star, moi, je laisse Ice. Reste-tu? Non, ça, c'est Gym Leader. Oh, plus vite que je pensais, là. Ouais, il me reste Fighting Fairy. Ok. Fighting, c'est des 50-55, ça. Ouais, ça, je suis peut-être pas encore rendu là, mais pas loin. Ow! The Fairy, pis je pense qu'après Fairy, t'es censé en avoir un autre qui est Dragon. Non. Ah, le boss? Ouais. Ah, ouais. Peut-être le boss, là, mais... Le boss, c'est Dragon. Checker vite là tout ce qui est dans quel ordre t'es mieux de le faire, mettons. Puis le dernier, ça va être c'est un dragon. Avant que tu commences contre l'Elite Four. Faut genre tout que tu pètes avant de commencer contre l'Elite Four. Ouais, mais l'Elite Four on l'a fait là, mais. Ouais. Ah ouais? Ouais. On a fait toutes les gyms. Après ça, là, on venait de finir les titans avec toi en même temps tantôt. Puis là, on est en train de finir. On est en train de finir les eux là, les. Ah, mais je pensais que ça prenait le Team Star aussi pour pouvoir faire. Non, Team Star c'est juste des TM. Les Titans c'est juste pour te pouvoir te promener. Puis l'autre c'est les bases. Dans le fond, c'est comme un peu ton story de base. Mais il faut faire les trois pour finir le main story. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, ça va faire mal. Et il est mort. It's super effective. Elle a combien de Pokémon, elle, pareil? C'est bon, elle m'a fait un critical hit. Ouais, je pense qu'elle est full team, là, parce que moi, j'ai pété une couple, puis là, je suis en train de battre le char. Ouais, elle m'a pété Rachel avec un critical hit. Ouais, mais son Zumaril, char, fait... Comment? Son char, il fait higher power, anyway, puis ton Rachel a pas ta fait longtemps. Ouais. Je me bats contre qui, déjà? Et en Chris, je viens de me voir sur qui je suis en train de tabasser. Moi, c'est avec Rackrush qui a pas rapport là. Ah ouais, ok, lui. Fighting contre Fighting, il me semble que c'est bon. Ghost, Fighting. It's not very effective. Hey man, fais chier, tout le temps bloqué dans une seconde au moins. Attends, tout ce qui reste, on va faire ça. Annihilate. Lui il est Ghost, puis Fighting. Je vais en profiter avec Refresh, j'ai une attaque Ghost. Putain, super effective. Avant de carry, ah fuck, ça a plus vite que moi. Annihilate, puis quoi, il est Ghost Fighting? Ouais. Si j'envoie Gengar, ça va faire mal là. Umbreon. Ah ben j'ai Annihilate moi avec, mais il va me
péter avec ça. Bon, rien pour le trip. Sinon, j'ai ça. Bounce. Si ton Gengar il va être plus vite que lui, puis si t'as une attaque Ghost, ça va être 4 fois au lieu de 2 fois. Ouais, mais j'ai Ghost, Psychic, puis Dark avec Gengar, puis j'ai Hypnose. Shadow Ball. Qu'est-ce que tu as, mon esti? Je choke tout le temps avec Gengar, je me dis, quand il se fait taper, il crève vite. Oh, Lucario. Lui, c'est Still Fighting. Ouais. Je l'ai pas vu encore de ça. Tu as croisé toi dans ta map? Ouais, moi je l'ai vu plein des Rio. J'ai vu un Lucario. Ils sont dans quel coin? Sûrement dans les montagnes, genre? Je l'ai vu à plus qu'une place. Il y en a même pas loin du début à plus qu'une place. Ah ouais? Ouais, ils sont, pas particulièrement rares. Je l'ai même pas vu. Ben, on se bat contre un, je pense, en début de game. Là. Mais. Pourra se faire. Ok, super effective. It's not very effective, bon. Pourra se faire. Oh, il me reste 5 de vie. Bon, ça, ça va passer en bas. It's super effective. Si j'ai réussi tout ça au début. What? Lucario avec Dragon Pulse? Ouais, c'est nice. Bon. Attends, je vais mettre lui, puis je vais en profiter pour revive Azumarill. Azumarill ou Heracross? Azumarill a 207 de vie, il devrait être capable d'encaisser un petit peu plus. Hein. Wow! Il tape mon level 40 puis il est même pas capable de, le tuer one shot. Voilà. Ouais, il va sûrement taper avant moi, on va en profiter pour en revivre un autre. Chris, il encaisse mon Annihilate. Il est juste level 40, puis il a mangé 3 shots de Lucario level 55, puis il est encore en vie. Quand même. Ouais, mais Lucario, il fait des special attaques depuis tantôt, mais sa force, c'est l'attaque, fait que c'est normal que ça fasse pas. Ouais, mais il y a quand même 15 levels de différence. Hein. Il fait des attaques Dragon en plus. Hein. Bon, je vais y aller avec moi aussi, Raichu avec Fly, si je suis plus vite que lui. Asti, j'ai fait, il est still, lui. On va faire Dig à la place. Je m'en allais faire Fly, je suis comme Fly, faut pas grand chose qu'on steal, on va y aller avec Dig. Juste pour changer le Terra des Pokémon, ça allait là? Non, c'est le Gold Gym, il y a un monsieur dans ce village là. Non, ouais, excuse, non, c'est pas vrai. C'est le Normal Gym qui fait ça. Ok. Ça, c'est le gars avec la mallette, ça? Ouais. Ouais. Oh, je vais voir, j'imagine que ça doit prendre une centaine de Terra pour changer le type. C'est 50 Terra Shards. Ok. 50, ben les Terra Shards, on en a de toutes les sortes. Là. Fait que j'en ai t'en faut 50 de celui que tu veux, c'est ouais, ça? De... Ouais, c'est ça. Cool. Super effective. Stamina, ok. Combat Torque. Ok. Putain, je vais essayer Gengar puis faire Hypnose. Ça va marcher.
Hypnosis. Ah, va chier que ça l'affecte pas. Hypnose l'affecte pas. Mais du psychic, c'est super effectif. C'est peut-être que c'est son habilité qui fait qu'il peut pas dormir ou c'est parce que c'est un boss. Ouais, même quand c'est un boss, là. Là, ça va pas de booster son speed en plus, le carré. Ouais, son c'est un peu long. Ouais, on va envoyer des Shadow Balls. Et anyway, son buff, c'est sa défense. Je fais du Special Defense, ok. En plus, je drop sa Special Defense. High Horsepower. Ça, j'ai jamais compris pourquoi Ground est fort contre un Ghost. Pas contre Ghost, c'est contre Poison, c'est fort. Ah, c'est vrai, Gengar est Poison ici. J'oublie tout le temps, je pense tout le temps qu'il est Ghost Dark. Dans ceux qui sont Ghost Ghost, honnêtement, c'est... ça peut être pratique parce que t'envoies ça contre un fighting, tu peux rien faire. Ouais. Ben ça, ils ont changé entre la première et la troisième génération. Parce qu'avant, Ghost, je pense, c'était fort contre Psychic. Puis après ça, ils ont switché. Ben, c'est encore fort contre Psychic. Mais avant, c'était fort et faible contre Psychic. Ah, fucker. C'est surtout qu'un des seuls Ghosts qu'il y avait dans la première génération, c'était Gengar. Puis il y avait le Poison. Ouais. Hey, c'est vrai, je peux rien faire. Ouais, ouais. On peut faire ça. C'est magic. On va l'essayer. Toi, il te reste combien de temps, Matt? Hey! Il reste plus. C'était mon dernier. Ah, toi avec, c'est mon dernier. Ouais. C'est la seule étape que j'ai fini, moi, à date. Là. J'ai pas fini les gems. Ok. Ben, ça, pis les. Team Star. Là. Ouais, c'est ça. Team Star, j'ai fait le dernier de Poison, genre niveau 35, je pense. J'ai planché après-midi avec des Pokémon niveau 45, donc ça a pas été long. Ouais, ça a l'air. Mais d'après moi, Fairy est plus bas level que Fighting. Ouais, moi aussi, je pense. Parce que avant d'aller faire la ligue, j'ai fait le coin où il y a le Fighting, puis j'arrêtais pas de buter tout le monde qui était là pour farmer l'XP. Tout le monde était comme 50-55, là. Ouais, techniquement, Fighting, c'est censé être le dernier que tu fais. T'as Fairy, t'aurais False Dragon. Ah non, False Dragon, ça c'est le Titan. Fait que ouais, c'est Fairy avant qu'il est 50-51. Ah, ben on vient de faire lui. T'es 56, je pense. Ouais, c'est ça. Le Fighting. Fairy, il est un peu plus bas. Il est moins. Bon, Fairy, j'imagine que c'est le petit gars avec le bâton en feu, là. Ouais. Celui qui joue à Sakura, chasseuse de cartes. Où est-ce qu'il allume, là? Quels sont les raids de Fairy, si ça me prend des terreurs? Fairy ou Psychic? Un reflet? Non, il y avait un reflet sur une roche, je pensais qu'il y avait un item. Oh, il m'a donné close combat. On va essayer de capturer un char. Ouais, j'ai attrapé celui de balle, juste le moteur, là. C'est fait! T'es en train de monter un char dans Pokémon, là? Lui, quand ton char il est sur le bord de mourir, c'est parce qu'il y a un gasket qui coule. Change de gasket. Ouais. Ah non! Ouais. Ok. Yeah. Le jeu est fermé. Ah non. Je pense que ta connexion internet
Alors, c'est pas ma connexion internet, c'est vraiment de lag game. Ça me dit que c'est le file en tant que tel qui est planté. Étrange. Toi, tu l'as en version physique? Bizarre. En plus. Moi, je l'ai en download. Hey, vous faites l'update? Quel update? Il y a eu un update cette semaine? Ah, je pense que oui. Oh, je pense que oui, mais c'est depuis justement l'update que ça. Ben, la dernière fois qu'on a joué aussi, t'avais rentré et ça a crashé tout de suite. Là. Ouais, c'est ça, mais l'update il était fait. Ben, ça date plus que la semaine passée. C'est la première fois qu'on a joué ensemble, ça avait crashé le début. Ça fait une semaine pile, j'ai le jeu. Mais... Juste une semaine? Ouais, mais ça, on l'a joué en fin de semaine. Ouais, mais ça, tu l'as joué en fin de semaine passée. Au courant de la semaine qu'on a joué. J'avais pas joué en fin de semaine passée, j'étais pas rendu assez haut. Je pense que c'est mercredi. Tu dirais à Sam de faire un Windbrew, s'il te plaît. Tu dirais qu'on t'a occupé de la chasse des Pokémon. C'est détendu mon micro. C'est important. Ouais. Je sais pas si c'est un hack ou quoi que ce soit, mais j'ai vu un gars qui avait un Charmander. Ben ouais, oh. Il a breedé son Charizard. Ouais, mais ça disait pas que justement tu pouvais pas le breeder? Oui, tu peux le breeder, mais tu peux. Ça disait que tu pouvais pas l'échanger. Ouais, mais le Charizard que tu pognes, tu peux pas l'échanger, mais une fois que t'as les nouveaux Charizard, tu peux en breeder et en faire les meilleurs. Là. Ouais, peut-être que ton Terra peut changer à ce moment-là aussi. Oh, ouais, tu peux changer pour changer. Un Dragon. Là. Non, mais je veux dire. Ah, tu veux dire un Terra, ouais. Je sais pas si les Terra suivent. Ben, ouais, c'est ça, tes Terra peuvent changer en breedant, en tout cas. Non, ça reste que Fire Dragon, c'est quand même pas pire. Fire Flying Dragon. Ouais. C'est quand même pas pire. Ben, Fire Flying Rock, ça serait quand même bien. J'avoue. Mais il garde sa faiblesse contre le Ground. Fire aussi, c'est contre le Ground. Fire Rock, ouais. Ouais. Moi, ce que j'aime bien comme mix à date, c'est soit les normales avec un Psychic comme Terra. C'est cool, je l'ai pas vu. Ouais, j'avoue. Tu pognes genre Psychic Ghost Fighting. Ouais. Genre. Ouais, ça. Puis mon Dragapult, genre celui que j'ai pogné, il était pas si hot, mais j'ai fait un petit peu de breeding. Puis dans ceux que j'ai eu, je n'avais rien qu'un qui a son Terra, c'était Ghost et non Dragon. Fait comme ça, ça y enlève sa faiblesse contre tout ce qui est Fairy puis Ice. Bon. Hey le chien. Oui. Décide de t'y mettre toi aussi. Hein? Je vais jeter ça de ma hand au Teamstar en haut, puis après ça je vais arrêter. Déjà, on va moins quart, puis demain j'ai un gros meeting. Hyper B. C'est où, aucune idée. Oh, tu sais comment ça a buggy? Je sais pas. Ah, ok, c'est toi qui combat pis ton Pokémon est derrière. Nice. Ah, il y a une base à gauche. J'avais pas vu. D'accord. Active le. Ok, c'est le titan. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait comme une base à gauche. Ah, ouais. Hop, pis y'a un Game Ghoul là. Ça va être juste pour des ghosts Pokémon. Oh, Golduck, j'ai failli t'accrocher. Ah merde. Signe du blabla qui. C'est la base, ça. Ouais. C'est ça, c'est leur base. Fairy. Qu'est-ce que je peux bien mettre contre Fairy? On mettra pas Dragonite, ça c'est sûr. T'es contre Star? Non, je parle du Star, Team Star Fairy. Là. Je mettrai pas de Dragonite, ça sera pas trop pratique. Ça fait une coupe de Psyduck, Terra, Psychic, que je crois. Un Water Grass, pas mauvais.
c'est qu'on prend. On va enlever Annihilate, parce qu'il me sert à rien, surtout s'il est mort. Arcana. Bon. Fairy. Qu'est-ce qui crisse une volée à Fairy déjà? Ice. Poison. J'ai pas d'ice. Ouais, hey, gimme girl. Poison, j'ai Gengar, mais Gengar n'a pas de technique poison. J'ai Toxtricity level 42. Ouais, attention, s'il y a un Atrem ou quelque chose dans le genre, ben, il risque d'avoir le Steel Fairy dans sa team probablement. Fait que je te dirais pas que t'as un Fire Pokémon au moins. Ouais, ben j'ai Arcanine, je vais le mettre, ça c'est sûr. Calcule qu'il risque d'avoir soit un Atrem ou un Gardevoir, qui est Psychic, qui fait Fairy. Je me demande si j'enlève Heracross. Bug Fighting. Il y a une technique fighting, bug, puis ghost. Peut-être enlever lui. J'ai Azumarill qui a fairy, fighting, waterfly. Gengar qui a psychic, ghost dark. Raichu qui a flying, ground, électrique, steel. Arcanine qui a dark, fairy, fire, normal. Le bot pour grimper, ça marche pas tout le temps. Hein? Ouais. Umbreon, Dark Normal, puis Ground, puis Tyranitar, Rock Ground, Dark Normal. C'est quoi tu disais, Umbreon? Fairy est fort contre Dark. Ouais, genre Umbreon, puis j'ai Tyranitar aussi qui risque de manger une volée. Puis je vais remettre lui, c'est mieux que rien. Tyranitar, je sais. Parce que c'est quand même level 60. Dragonite, ça sert à rien. Rock. Ground, normal. Tyranitar, il tape fort, mais. Il est dark. Ouais. Sylveon. Un Sylveon et un Glacian que j'ai pas gagné à temps. Ouais, ils ont les fait évoluer, mais sinon j'ai Houndoom. Genre, après je vais mettre Texture City, c'est Poison électrique. Ouais, bonne option. Je vais peut-être juste le faire leveler une couple de fois, puis c'est tout. Là. Ah, ça, ben, pour ça, moi je me fais un petit peu de raid en ce moment, j'ai plus un bain de XP. J'ai bien de la variété dans le Pokémon, mettons, hein, qui sont assez forts, mais. J'ai plus même l'XP. Bon, Rare Candy. Bon, 3 levels. Overdrive. Bon, il va faire de la guitare ou de la bass. Il va faire un gros écho. 80-100. Chris, c'est fort. Ouais, c'est quand même violent. Pas mal. Ouais, c'est pareil que Discharge. Mais Discharge, il fait Paralysis. Ça, c'est tout le monde, Overdrive. C'est juste les ennemis. Fait que je suis mieux avec Overdrive que Discharge. Quoi que Discharge fait du Paralysis. Puis j'ai plus d'attaque avec Discharge. Non, je vais garder Discharge meilleur. Poison Jab qui est fort, j'ai Toxic, puis j'ai Swagger. Qui fait pas grand chose en vie. Bon, j'avais juste ça. Fait qu'il est rendu level 45. Ouais, j'ai trouvé quelque chose de pratique. Quand tu vas dans ta box, puis tu choisis tes Pokémon qui tiennent des Pokémon qui tiennent des items. Ouais. Tu peux cliquer sur un qu'un item puis dire que tu veux juste prendre l'item puis le mettre sur un autre. Swap out for another item. Oh, ouais. Give to another Pokémon. Attends, on va faire ça. Attends, je vais enlever ça. On va le mettre à. Je sais pas, on va mettre à Azumarill là. Ok, on va mettre ça de même. Ça va être perfect. Bon. Ça s'enligne pour être la fin pour moi. La ligne
là-dessus. Ouais. Fait que sur le live, merci à tout le monde qui est venu nous voir. Joignez, donnez un abonnement. Toujours apprécié. Il y a quelqu'un qui marche au travail de moi qui s'appelle Clever Wolf. Fait que un Sunflower qui vient me voir en plus. Donc, merci à tous. Et bonne fin de soirée. Bonne semaine. Bonsoir.